Un mec s'est suicidé après avoir tout perdu à cause de Madoff. Il y a aussi la crise des subprimes qui a entraîné des catastrophes pour les particuliers. Marc Simoncini, l'entrepreneur français, a été ruiné à cause de la bulle Internet. Les actions Vivendi sont passées de 110 à 8 euros. Et le mec a été secondé par des experts, soi-disant. Les experts prennent leur commission, mais une fois qu'il y a des pertes, c'est pas eux qui les encaissent, c'est vous. Il y a ceux qui ont tout perdu en 1996 avec l'Eurotunnel. C'était la même chose avec les emprunts russes avant que la révolution bolchevique arrive. Il y a le même problème avec l'univers des crypto-monnaies, par exemple l'affaire FTX. Le mec est parti avec la caisse. La société est basée aux Bahamas. Et Binance, ils sont passés dans les îles Caïmans. J'aurais pas confiance. Où leur rapport annuel à ces entreprises? Lorsqu'il y a des pertes financières, c'est qu'il dindon de la farce. Investissez uniquement dans ce que vous comprenez.